situation ne pouvait pas empirer. C'était quoi ces choses dans le monastère? Ils étaient vêtus comme des gardes tempêtes. Leur cri était presque... inhumain. Merde, arrête, Lara. Écoute-toi un peu. On croirait entendre papa. On dirait les vestiges d'une civilisation perdue. Non, 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 non. Là, je parle vraiment comme papa. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont tué ces hommes et qu'ils n'auraient pas hésité à me tuer moi aussi. Mais... je ne dois pas penser à ça pour l'instant. Sam est en danger et je dois la ramener. Elle compte sur moi. Cérémonie te permet qu'elle s'hésitera pas à te buter. Hé, je tiens l'alcool, moi. Et toi, tu sais tenir ta langue? Il paraît qu'il y avait des femmes parmi les naufragés. Ouais, Mathias en a choisi une pour le rituel. Et si c'était l'élu, on pourra peut-être enfin quitter ce rocher. T'emballe pas, tu sais très bien que c'est toujours la même chose. Une pauvre fille finit carbonisée et rien ne change. J'en peux plus de cet endroit. Je veux juste me barrer. T'inquiète, mon frère.
T'es pas le seul. Mais ça risque pas d'arriver. Les tempêtes ne nous laisseront jamais partir. Oui, mais si... Mais si rien du tout, tu veux te barrer, et bave-le une falaise. Alors vas-y, saute. Maintenant, laisse-moi finir cette bouteille en paix. Je suis là, Sam. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'ils me veulent, Lara? Un rituel de feu? C'est du délire! Écoute, je viens te chercher. Ne t'en fais pas. Je vais te sortir de là. Je t'en prie, sors-moi d'ici, Lara! C'est promis. C'est promis, Sam. Hé! Alors, oh non! Sam! Non! Sam! Allez! Lâchez la bande de salauds! Ne la touchez pas! En tant que prêtresse de la Reine Solaire, tous mes besoins sont pourvus. Je suis la favorite. On m'enseigne les langues, la bienséance, l'histoire, la guerre. Tout ce qu'une reine doit savoir. La reine se comporte comme une mère avec moi. Chaleureuse, attentive, aimante. Mais je sens que ce n'est pas naturel. Quand je parle aux autres prêtresses, je sens une inquiétude. Certaines ont la même impression que moi. Peut-être même toutes. Mais pourquoi? De quoi avons-nous si peur? Reste là, je vais aller jeter un œil. Rien ici! Putain de ruine. Ces saloperies s'écroulent dans toute l'île. Wow, jackpot! Un réservoir plein! Je le laisse pas se vider, mon frère! Ce truc vaut de l'or! Merde, il
nous faut un truc pour le récupérer. Ouais, attends, je vais voir. Oh merde, j'ai besoin d'aide. On va les voir. Tiens, il se passe quelque chose. T'as entendu? Pas moyen de retourner. Je dois traverser.
Il y a peut-être des provisions à bord. On a trouvé un prisonnier. Il était caché dans la réserve. Le Somalien est en train de se faire. L'autre alors ? Rien. Que dalle. On va venir chercher. Bon, on va aller plus loin. Oh ! Ah, cette odeur ! Où est passé le vieux ? Je sais pas de quoi vous parler. Tu mens. Je sais que tu t'es enfui avec lui. Je connais quelque chose qui te fera parler. Dis-le-moi ! Dis-moi où il est ! Somalien, il a pété les plombs. Encore ? Toujours aucun signe du vieux ? Non. Il est costaud, mais il n'ira pas de là. Les autres, ça donne quoi ? On les a enfermés dans les grottes. Je comprends pas. Pourquoi Mathias tient tant à les garder en vie ? À cause de la fille. Ils essayaient de la sauver. En les gardant en vie, Mathias la tient à sa merci. Franchement. J'espère que c'est l'élu. On attend ça depuis trop longtemps. On le saura bien assez vite. La cérémonie aura lieu au crépuscule. Un intrus.